Hello. 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 Welcome to the video. Today we are going to present to you the MaxCatch Ultra Glass Rod. We're going to go into details about the specifications and... Yo os voy a hablar en español. Estamos aquí para explicar cómo funciona esta caña de pesca con mosca de fibra de vidrio. Y nada, ahora mi compañero os va a hablar en francés. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter cette canne à pêche ultra glace que nous allons vous vendre. MaxCatch Ultra Glass Rod is made of highly flexible and resistant carbon fiber, as you can see, very, very flexible. Yeah, great for flexible. Yeah, great for it won't break. Yeah. Very, very flexible. It is a model right here is a 7-foot rod. It also comes in 8-foot as well. And it is a 3-weight fly fishing rod, though it also comes in a 4-weight and 5-weight specification in case you want to catch larger fish with your ultra glass rod. The guides, as you can see here, are made from chrome, titanium coloured chrome, very highly weather resistant, great if you're out in the mountains, you know, where it can rain unexpectedly or very harsh conditions. These chrome guides will hold fast no matter the weather conditions. As you can see here, the handle, very, very well balanced. It's made of AA grade Portuguese cork with a burl wooden insert, so you can attach your reel very easy. This just unscrews, very smooth action. You can just place your reel right in there, screw it up tight, and you're ready to go. Pasamos al español. Como podéis ver, la caña tiene tres piezas. Es súper fácil montarla. Aquí la tenemos montada. La caña es de 7 pies y pesa 3 libras. En metros son 2 metros con 13 y el peso son 90 gramos. Es súper ligera. La calidad es exquisita, es fibra de vidrio y lo que más me gusta a mí es que es ultra flexible, o sea, es súper flexible, os va a permitir coger peces muy, muy pesados. Y es ligerísima, flexible, pero es súper resistente, o sea, gracias a los materiales. Como podéis ver, aquí tiene guías hechas de cromo en color aluminio, que dan mucha resistencia y, o sea, aguanta cualquier tipo de clima, de montaña, frío, calor. Luego, como podemos ver aquí, la manija o el agarre está hecho de corcho portugués de la mejor calidad, graduación AAA. El agarre o el asiento para el carril es de madera, de calidad excepcional, aguanta el agua y el carril se inserta de forma muy fácil, simplemente girando esto. Es una caña, vamos, excepcional. Una gran calidad, os va a permitir coger mucha variedad de peces, súper ligera, es una pasada, o sea, muy muy cómoda. Y eso es todo. Alors aujourd'hui c'est la canne à pêche ultra glace, donc alors en orange transparent pour celle-ci, mais vous aurez aussi les couleurs en vert et en bleu. Alors c'est de la fibre de verre, alors c'est ultra flexible, ultra résistant, c'est un matériel très bien développé actuellement, c'est vraiment une très très bonne référence. Donc c'est une canne à pêche de environ 7 pieds, donc ça fait à peu près 2m30 à peu près. On a bien entendu un poids de 3, donc une unité de 3, ce qui fait à peu près 90 grammes, donc extrêmement léger. Donc vous la sentez à peine. Donc ensuite vous aurez la ligne qui est actuellement là guidée par des guides de ligne qui sont en chrome couleur titane à vrai dire. Donc vraiment très, très utile contre les éléments, il n'y aurait aucun problème au niveau des éléments, c'est vraiment super résistant, c'est super durable en fait. Aussi on a une poignée en liège, donc du Portugal, une très bonne qualité, de rang AA du coup, donc une très très bonne référence, suivie d'un talon de combat en bois ici, là où vous pourrez mettre, à vrai dire, votre moulinet facilement, donc il y a juste à dévisser, c'est super, ça va super rapidement, c'est super simple,
Donc bon, franchement, une très très bonne canne à pêche que je recommande vivement pour une très bonne, un très bon rapport qualité. So the whole ensemble comes in this very very convenient Cordura rod tube, and it is enveloped in a beautifully designed cotton rod sock, so your rod will be kept safe and sound as you go excursioning through the rugged landscapes of North America, Canada, Australia, Europe, South America, wherever it may be. Si adquirís la caña, os damos de regalo esta funda que combina, o sea, es chulísima y está hecha de nylon, por lo que es súper resistente al agua y a distintos tipos de clima. Y además tenemos aquí una funda de algodón para las tres partes de la caña. Como veis, es súper cómodo para que esté todo aseadísimo. Y la caña la podéis encontrar, tanto la funda como la caña, en color verde, en naranja, que os la va a enseñar ahora Nick, y en azul. Alors, vous recevrez votre superbe canne à pêche dans un tube Cordura, donc une référence au niveau de la résistance pour le voyage, et très simple, très compact. Vous aurez donc une chaussette de rangement ici, donc à trois compartiments pour chacun des trois morceaux de la canne à pêche, qui d'ailleurs s'emboîte très très facilement, donc c'est vraiment un gain de place monstrueux, très léger. Vous pouvez vraiment l'emporter partout, sur tous vos voyages, que vous allez en Australie, au Canada, vous allez en Europe, dans la forêt, vous allez dans tous les endroits où vous pourrez actuellement pêcher, vous pouvez actuellement prendre cette canne à pêche qui peut actuellement pêcher tous les poissons différents, que ça aille du prédateur au petit poisson, elle est vraiment faite pour tout ça. Thank you for tuning into the video today. Make sure you check back next week to see as we will feature the Avid fly reel featured right here, and we go into details of its line weight and everything, and how you also perhaps how you can interchange it between left and right hand conversion. So make sure you tune in.